Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui, je pense, j'en suis même quasiment sûr, en fait, ça va vous plaire. C'est sûr et certain même. Vous connaissez les cahiers de vacances, vous savez, ces cahiers rébarbatifs que nos parents nous achetaient pour qu'on puisse réviser durant les grandes vacances avec des exercices de maths, de géographie, d'anglais. Vous savez, si, je pense que ça vous parle à beaucoup, ces cahiers de vacances qu'on a mangés au kilomètre, qu'on détestait tous faire, enfin pas tous, on détestait pas tout ça, mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu rébarbatif dans ces cahiers de vacances, même s'ils se voulaient un petit peu ludiques. Mais bon. Et là, je vous proposais, eh bien, des cahiers de vacances, mais pas des cahiers de vacances ordinaires, non, des cahiers de vacances en lien avec le domaine ésotérique. Et avant de commencer, je tiens à remercier, à dire un immense merci, à témoigner ma gratitude envers Arcana Sacra qui m'a fait l'immense plaisir et la surprise de m'envoyer la gamme complète des cahiers de vacances. Et ce qui est drôle, ce qui est très drôle en fait, c'est que je regardais justement sur le magazine des cahiers de vacances et j'hésitais en fait entre plusieurs parce qu'ils me plaisaient tous et je me disais tiens alors lui c'est sûr, lui je le veux, lui il est pas mal aussi, il me plairait bien. Et du coup, et ben ce matin dans la boîte aux lettres, j'ai eu un immense carton et j'avais et bien toute la collection, donc ça règle le problème de savoir lequel je vais choisir puisque du coup je les ai tous. Donc vraiment un immense merci à vous tous, à toute l'équipe d'Arcana Sacra, vous êtes vraiment formidables. Et juste en petit aparté, alors vous allez dire oui Jojo t'es pas objectif parce qu'ils t'ont fait des cadeaux, tu dis ça. Non, vraiment je le pense et c'est sincère, tous, toute l'équipe d'Arcana Sacra franchement sont des personnes qui sont incroyables, qui sont exceptionnelles, qui sont très humaines, qui sont vraiment à l'écoute, qui sont gentilles, qui mettent les petits plats dans les grands, qui sont soucieux de nous offrir à chaque fois et de la qualité et des prix abordables, de nous accompagner, de nous offrir des outils qui sont là vraiment pour nous aider dans notre développement personnel, pour nous accompagner dans notre développement sur la guidance, nos facultés, nos potentiels, etc. etc. Donc vraiment ça je tiens à le souligner, je trouve qu'on ne le dit pas assez parce que y a toujours des insatisfaits, il y a toujours des gens pour ronfler, pour dire c'est pas assez bien, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Il y a toutes les critiques négatives, c'est facile de les dire, mais je trouve que c'est important de le dire aussi quand il y a des choses positives et Arcana Sacra, honnêtement, c'est que du bonheur. Bon, je vais pas vous vendre davantage Arcana Sacra, je pense que vous les connaissez tous. On va pas en faire la promo plus que ça puisque de toute façon vous les connaissez absolument tous. Je suis sûr que vous avez tous au moins un tarot, un oracle, un livre qui vient de chez eux. Vous connaissez leur qualité, vous savez en plus que leur prix, à chaque fois ça défie toute concurrence, hein, clairement. Si, il faut le dire, il faut le dire. Donc les cahiers de vacances, qu'est-ce que c'est exactement? Alors vous savez, pour ceux par exemple qui ne connaîtraient pas les cahiers de vacances, qui ne sauraient pas ce que c'est. Non, blague à part, quand je vous disais effectivement, c'était des cahiers qu'on avait pour nous occuper durant les grandes vacances scolaires, pour eh bien réviser, pour ne pas perdre nos bases, etc. Donc effectivement, vous aviez des cahiers de maths, de géo, d'anglais, etc. Parfois c'est un petit peu tout. Il y a même des cahiers de vacances sur certaines thématiques pour les adultes. Et là, Arcana Sacra, Alliance Magique, nous a sorti une gamme complète de cahiers de vacances pour traiter de différents domaines. Donc ne vous inquiétez pas, je vais tous vous les présenter dans les moindres détails. Mais avant ça, je vais un petit peu vous montrer à quoi ressemble un de leurs cahiers de vacances.
Donc il va avoir cette forme là. On est sur un format presque A4, entre le A4 et le A5. On est quand même plus proche du A4 que du A5, quoique. Ouais, non, on est entre les deux. Regardez, si je prends par exemple ce livre qui est en format A5, vous voyez, on est à peu près sur entre format A4 et format A5. Bien pratique parce que du coup, on peut le glisser hop dans son petit sac en osier. Et puis quand on est sur la plage, ou quand on est sur une terrasse, ou quand on va se balader en forêt, ou sur la petite terrasse d'un café, n'importe quoi, c'est pratique, ça prend pas de place. Regardez, c'est pas épais en plus, donc c'est génial pour se faire du bien. Le prix, honnêtement les amis, il est ridiculement petit, puisqu'il est seulement à 6,95€ le cahier de vacances. Donc autant vous dire que pour 7€, franchement, et on a quand même de quoi s'occuper, puisqu'on a presque quand même une centaine de pages à chaque fois dans chaque cahier. Donc j'ai envie de vous dire, 7€ pour une centaine de pages, pour des exercices qui sont vraiment sympas. En plus, vous allez voir, il y a de tout, il y a des jeux, il y a des questionnaires, il y a, regardez là par exemple, je vois, il y a des mots croisés, il y a des mots fléchés, il y a des petits quiz, il y a vraiment, je trouve ça super, super ludique, mais ça on va en parler juste après. Donc, vous avez au total 8 cahiers de vacances, donc j'ai envie de vous dire que si vous voulez vous faire plaisir, que vous voulez prendre tous les cahiers de vacances, ça va vous faire une 50aine d'euros pour vous occuper tout l'été. J'ai envie de dire 50€, c'est pas non plus une somme extraordinaire, et on va avoir 2, 4, 6, on va avoir 8 cahiers de vacances quand même. Donc croyez-moi, je pense que ça devrait bien vous occuper durant tout l'été, voire même jusqu'à Noël en fait, hein. Moi personnellement, je sais que ça va m'occuper jusqu'à Noël, surtout aujourd'hui où je travaille, du coup j'ai encore un petit peu moins de temps. Donc je peux vous dire que moi ça va m'occuper juste pour les vacances prochaines en fait, jusqu'à l'été 2022. Alors, ces cahiers de vacances, donc vous en avez 8 comme je viens de vous le dire. Vous allez avoir le premier qui est sur l'astrologie. Donc l'astrologie, c'est de Caroline Moy. Excuse-moi Caroline si jamais je prononce mal ton nom de famille. Donc l'astrologie, le deuxième c'est l'intuition de Johanna Annie. Donc pour travailler et développer votre intuition. Le troisième, c'est booster sa spiritualité de Leona Reading. Avec l'accent anglais, s'il vous plaît quand même, hein, j'essaye de m'appliquer pour refaire les choses. Le quatrième, c'est un cahier sur le tarot. Et ça, c'est pas mal du tout. En plus, j'aime bien le nom puisqu'il s'agit de Lilith Tarot. Et vous connaissez tous mon amour pour Lilith. Donc celui-ci, je crois que c'est peut-être le premier. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas par lequel je vais commencer parce qu'ils ont l'air tous bien en fait. Je pense que le tarot, il peut être vraiment sympa pour ceux qui sont en plein apprentissage du tarot, ou même pour ceux qui sont déjà un petit peu évolués dans le domaine du tarot, pour réviser un petit peu vos classiques, revoir vos bases, etc. Le tarot, celui-là de toute façon, il faisait partie de ceux que j'avais sélectionnés que je voulais à tout prix. Ensuite, à moi le bonheur de Chloé Bonnefil. Celui-ci aussi, je le voulais. Non, mais je vous dis, en fait, il y en a beaucoup que je voulais et que j'avais tous j'avais mis, mais j'arrivais pas à me décider. Ensuite, nous avons les jeux de l'été. Donc ça, c'est fait par le collectif de Arcana Sacra. Je les ai pas tous encore regardés, hein, puisque je les ai déballés il y a pas très longtemps. Je me suis dit que j'allais vous faire la review dans la foulée, donc ce qui fait que je vais les découvrir en même temps que vous. L'avant-dernier, c'est sur la numérologie de Denis Schneider. Et enfin, le dernier, c'est sur la lithothérapie de Amandine Forestier. Ce qui fait, les amis, que là, avec ces 8 cahiers de vacances, franchement, vous avez absolument tout pour réviser. Mais alors, vraiment tout, puisqu'il y a la lithothérapie, la numérologie, à moi le bonheur, l'intuition, le tarot, booster sa spiritualité, et enfin l'astrologie. Donc avec tous ces petits cahiers, vous avez vraiment toutes les bases et toutes les clés pour découvrir et pour réviser un petit peu eh bien tous les domaines, peu importe dans quoi vous êtes en train d'évoluer, que ce soit l'astrologie, que ce soit la numérologie ou autre. Eh bien vous avez ici tous les outils pour travailler et pour réviser durant l'été. Alors on va en prendre un, et puis je vais tout d'abord vous montrer, enfin je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, comment se constitue, et ensuite on basculera d'angle pour que vous puissiez voir l'intérieur du cahier. Je vais essayer de tous vous les montrer, même si je pense qu'on va retrouver la même base à chaque fois.
À savoir, on va avoir des jeux, etc. Donc, je vais vous expliquer tout ça. On va prendre avec donc l'astrologie. Alors, l'astrologie, vous allez avoir, je vous donne par exemple le sommaire. On va avoir le mandala du zodiaque, les signes du zodiaque avec leur qualité d'énergie, les signes du zodiaque, la quête alchimique des signes, les maisons, hein, le théâtre intérieur, comprendre nos mécanismes lunaires, la lune à travers des signes, le soleil, le roi soleil, l'ascendant, le chemin, démystifier Mercure rétrograde, voilà. Vénus, la muse amoureuse, Mars, le chevalier, le gardien du soleil, Jupiter, la bonne étoile, Saturne, le vieux sage, l'appel des transpersonnels, les astéroïdes féminins, le mystère de Lilith, les cycles des lunaisons et les aspects planétaires, les voix de notre théâtre intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même un sommaire qui est assez sympathique. On va retrouver par exemple pour le premier chapitre, donc une petite introduction sur le mandala du zodiaque, etc. On nous explique un petit peu ce que c'est. Ensuite, chapitre 2, les signes du zodiaque, leur qualité d'énergie. Donc on va retrouver, fait exprès, donc tous les signes du zodiaque. Ça c'est pas mal parce que ce que j'aime dans ce format, c'est qu'il y a un aspect où on travaille et on révise en même temps les bases. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, les cahiers de vacances, vous avez que l'exercice pratique sans forcément la leçon qui est rattachée. Donc, si votre leçon, vous ne la connaissez pas sur le bout des doigts, voilà, hein, ça vous invite à vous replonger dans vos écrits, dans vos cours, dans vos leçons, etc. Que là, non, on va quand même avoir une petite base de leçons. Alors, bien sûr, ça ne remplacera jamais un bon ouvrage d'astrologie. D'ailleurs, il y en a un super que je convoite de Sharkana Sakra qui sort, je crois, là, en juin ou en juillet, c'est le grand livre de l'astrologie. Et celui-là, honnêtement, il m'a interpellé parce que ça fait longtemps que je cherche des bons livres d'astrologie, mais qui traiteraient un petit peu de tout, qui soient assez exhaustifs. Et dans celui-ci, si vous voulez vous lancer dans l'astrologie, je pense qu'il va être pas mal du tout, vraiment. En plus, il est pas très cher, je crois qu'il a une vingtaine d'euros, et il sort là juin-juillet. Donc soyez attentifs, si jamais vous voulez un bon livre d'astrologie, je pense que celui-ci devrait être pas mal du tout. Ensuite, chapitre 3, les signes du zodiaque, la quête alchimique des signes. Donc là, on va avoir un petit peu des cours. Vous inquiétez pas, je vais vous basculer, vous allez pouvoir voir après l'angle. Et ensuite, on va passer sur des exercices pratiques. Par exemple, associer les mythes aux signes correspondants. Donc je vous montre un petit peu, regardez par exemple là on a le mythe de Narcisse, etc. Et il va falloir à chaque fois compléter. On va retrouver également des mots croisés. Alors ça c'est sympa parce que du coup bah vous connaissez le principe des mots croisés, hein. Je vais pas vous expliquer comment on joue aux mots croisés. Par exemple, pour la verticale 1, énergie de feu, impulsion d'un projet nouveau. On a en 6 lettres. Il va falloir bosser, hein. On va faire la bosser. Je pense que ça va bien m'occuper, ça va bien vous occuper aussi. Donc on va avoir ici des mots croisés. Chapitre 4, les maisons, le théâtre intérieur. Donc on nous explique un petit peu rapidement ce que sont les différentes maisons. Si je prends par exemple, tiens, maison 1, maison de la vie, maison de la personnalité, l'horoscope. Cette maison va nous inviter à prendre conscience de ce que nous sommes, la manière dont nous utilisons l'espace, comment nous respirons et avançons dans le monde. Maison 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à la maison 12. Donc vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, à chaque fois on va retrouver un petit cours, une petite leçon qui va nous remettre un petit peu dans le bain et tout de suite derrière, après, on va avoir des petits jeux et des petits exercices. Vous voyez par exemple, là pour le chapitre 4, on a ici toute la partie cours avec les différentes maisons et tout de suite derrière, eh bien, on va avoir, regardez, un autre petit jeu avec des petits exercices pratiques et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Quel est le premier mot que je pourrais voir ? Attendez, je cherche. Liberté. Ah, le premier mot sur lequel je tombe, liberté. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Ensuite, astro geek. Ah, ça me parle bien, ça. Dès qu'il y a le mot geek, ça me parle. Chapitre 5, comprendre nos mécanismes lunaires, la lune à travers les signes. Donc là aussi, la lune en bélier, la lune en taureau, en gémeaux, etc., etc. Chapitre 6, le soleil, le roi soleil. Donc on va nous expliquer un petit peu qui est le soleil, etc. Regardez derrière, après on a d'autres jeux avec un petit labyrinthe. On a filmographie solaire. Quels seraient les signes solaires de ces films? Ah, ça c'est intéressant ça. Par exemple, Gladiator, Matrix, La Belle et la Bête, Gandhi, La Guerre des Étoiles, Elisabeth, Au nom de la rose. Ah,
ça c'est vraiment intéressant. Je pense que je prends un plaisir immense à les remplir. Chapitre 7, l'ascendant, le chemin. Donc on nous explique un petit peu les ascendants, en quoi ils consistent. Et pareil, derrière on retrouve donc des petits exercices pratiques. Là on va avoir un petit mot croisé donc sur les ascendants. Démystifier Mercure à rétrograde. Il n'est pas facile à dire ce mot. Donc on nous explique un petit peu en quoi consiste Mercure qui rétrograde, etc. Et puis voilà, donc vous aurez compris, on va retrouver à chaque fois pour chaque chapitre la petite leçon et les petits exercices pratiques. Je vais prendre par exemple l'intuition pour vous donner un petit peu. Oui, donc on va retrouver le même principe, à savoir une petite leçon entre chaque chapitre et puis le petit exercice, le petit jeu qui va avec. Ce que j'aime beaucoup dans ce format, c'est que c'est vraiment ludique, c'est vraiment sympa. On est dans une ambiance, comment je peux vous dire, ça fait vraiment vacances, rien que la couverture en fait. Regardez, pour le coup, ça fait vraiment vacances. Et là, je vous cache pas les amis que j'aurais super envie de me poser sur une plage avec une petite boisson fraîche, entendre juste le bruit des vagues, le petit parasol qui va bien, me poser au calme, me mettre une petite musique, et encore même pas, je crois que je mettrais peut-être juste le chant des cigales, hein, parce qu'il n'y a pas de cigales sur la plage. Donc je mettrais peut-être juste le chant des cigales en fond. Là, je rêve de quelques jours dans le sud, surtout après tous ces mois de confinement, à vous n'avoir rien fait, à n'être pas sorti. Et bah, ces petits carnets, je vous jure les amis, même si cet été vous n'aurez pas la chance de partir en vacances, parce que malheureusement on est nombreux à ne pas pouvoir partir en vacances, bah, j'en ferai partie aussi, puisque bah, je travaille cette année, donc je pourrais pas partir en vacances cette année. Et honnêtement, ça peut être vraiment une pause intéressante. Vous partez dans une petite forêt, au bord d'un petit lac, d'une petite rivière, peu importe. Vous posez tranquillement, vous prenez votre petit carnet, une petite musique, une petite boisson fraîche, quelques fruits frais, et hop, en avant Guingamp, et on passe une super après-midi. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Allez, ce que je propose maintenant, c'est de basculer d'angle pour voir plus en détail à quoi ressemblent ces différents carnets. Et voilà notre petit éventail des différents carnets de vacances pour l'été 2021. Je vais vous montrer un petit peu les couvertures pour chacun, parce que vraiment les couvertures sont toutes uniques, et comme je vous le disais, ça fait vraiment, on s'y croirait quoi, on a envie de partir. Moi je sais pas vous, mais là j'ai qu'une envie, c'est de jeter ma serviette sur la plage, là, d'aller me baigner dans cette eau. En plus, comme la chaleur commence à revenir, vous savez que la chaleur et moi on n'est pas très amis, donc je rêve de fraîcheur. Ça là, ce cadre paradisiaque, mais je rêve d'y aller. Donc voilà pour celui de l'intuition pour sa couverture. Celui pour l'astrologie, la petite surfeuse. Celui pour booster sa spiritualité avec cette belle fleur de vie. Celui pour le tarot. Regardez, on a carrément le fou, hein, l'illustration du fou qui sort comme ça de sa carte. J'adore. Celui de « À moi le bonheur » avec le petit Bernard l'ermite. Celui des jeux de l'été, j'adore celle-ci, je crois que c'est mon illustration préférée, avec cette espèce de livre magique de grimoire et puis tout plein de choses qui sortent, pour le coup ça fait très magie, j'adore. Celui de la numérologie, avec le château de sable, et je sais pas si vous voyez, sur le château de sable en fait on va retrouver donc des chiffres. Et enfin celui sur la lithothérapie, regardez, on a la petite plagiste qui est en train de récolter des cristaux sur la plage. Et voilà donc pour la collection complète des carnets de vacances. Allez, maintenant je vais vous montrer un petit peu comment se compose l'intérieur d'un cahier de vacances, hein, c'est ce que je vous expliquais. Hop, on va se prendre un petit support. Donc voilà, en plus la qualité est vraiment top, mais ça j'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise, hein, c'est Alliance Magique, donc on sait à chaque fois que la qualité elle est topissime. La couverture est assez rigide, en plus elle est... alors c'est pas un toucher peau de pêche, mais ça fait légèrement velouté. Ce qui fait que je pense que la couverture devrait relativement bien résister au sable, à l'eau. Alors, quand je dis à l'eau, attention, vous partez pas dans la mer avec votre cahier, qu'on soit bien d'accord. Mais je veux dire, si vous avez les mains un petit peu mouillées, je pense que la couverture, elle devrait bien le supporter. La qualité des papiers est vraiment bien. Franchement, si vous voulez écrire, que ce soit au crayon, au stylo ou autre, il y aura vraiment pas de souci. Donc voilà pour la première page, on va retrouver donc par exemple dans cahier spiritualité, la lithothérapie Amandine Forestier. Et là donc on va retrouver ici le sommaire, ici les coordonnées pour retrouver Alliance Magique.
Ici, donc, la petite introduction sur ce que sont les carnets de vacances. Là, le premier chapitre avec ce que je vous expliquais donc en préquel, à savoir ici la petite leçon en fait, histoire de réviser un petit peu les bases. Et tout de suite derrière, on va donc retrouver nos petits exercices pratiques et ludiques. Ce que j'adore vraiment, parce que je les découvre en même temps que vous, hein, donc je vous donne vraiment mes premières impressions. Pour le coup, c'est pas, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que j'allais vous dire. Non, là, je vous donne vraiment mon avis par rapport à ce que je vois et à ce que je découvre en même temps que vous. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment ludique, c'est pas prise de tête, c'est pas, en plus j'ai envie de vous dire, si vous calez sur des exercices, c'est pas grave en soi, vous avez pas un contrôle à la fin, Arcana Sacra ne va pas vous contacter fin août, début septembre pour vous dire bon maintenant on va vous contrôler sur vos cahiers de vacances. Hein, donc rassurez-vous, si vous calez sur un exercice, vous pouvez très bien aller piocher les informations nécessaires. Et je trouve même que c'est pas plus mal parce que si vous calez sur certains exercices, ça va vous inviter, eh bien, à rechercher l'information pour faire l'exercice. Et par conséquent, eh bien, vous allez apprendre l'information qui vous manquait. Hein, je prends par exemple la lithothérapie. Tiens, pour l'aigle marine, là, il va falloir relier différentes pierres avec leur vertu, un petit peu. Hein. Par exemple, percevoir tous les enjeux d'une situation avec discernement. Qu'est-ce qu'on prendrait là? L'aigle marine, la dumortierite, l'azurite, l'œil de faucon ou la calcite bleue? Vous voyez? Donc, si par exemple ça vous calez un petit peu, eh bien vous allez aller chercher dans un bon ouvrage de Alliance Magique ou sur internet ou peu importe, hein, vous allez rechercher par exemple l'œil de faucon, quelles sont les vertus de l'œil de faucon. Comme ça, vous allez apprendre les informations qui vous manquent et vous allez pouvoir après compléter votre petit exercice. Et l'avantage ensuite, c'est que ces cahiers de vacances, comme vous pouvez le voir, en plus ils sont à format pocket. Donc ce qui fait que quand vous aurez besoin de réviser un petit peu quelque chose sur quoi vous calez, eh bien vous n'aurez pas besoin d'aller piocher dans vos livres, etc., etc. Non, vous gardez vos cahiers de vacances complétés sous la main et puis vous allez piocher la petite information par rapport à l'exercice que vous aviez fait. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que dans le monde spirituel, dans l'ésotérisme, parfois c'est compliqué de faire des exercices pratiques. C'est-à-dire que, par exemple, pour un oracle, je peux par exemple vous donner des conseils sur comment interpréter un oracle, etc. Vous pouvez vous aider avec des livres d'interprétation, par exemple, l'interprétation des rêves, ça peut aider pour certains symboles, etc., etc. Mais voyez, c'est toujours des exercices, vraiment, c'est de la pratique en fait, hein. C'est comme ça que les choses s'acquièrent. Et là, non, on a cet aspect ludique d'exercice pratique, mais sans se trimballer avec 300 millions de trucs puisqu'on a quasiment tout sous la main. Donc ça, c'est vraiment quand même très sympa. Ensuite, bah, regardez, je vais vous montrer un petit peu donc le reste. À chaque fois, donc on va retrouver le chapitre avec notre petite leçon. Vous voyez par exemple chapitre 2, au menu du jour, le lâcher prise et la détente. Donc là, vous allez avoir une petite leçon et des petites explications. Et puis ensuite, vous allez avoir votre petit exercice pratique. Ça, vraiment, je trouve ça super sympa. En plus, si jamais vous complétez avec un agenda, soit l'agenda de Lisbeth Nemandi ou l'autre, c'est pas Parole de sorcière, je l'ai en plus. Il y a le prochain d'ailleurs qui va sortir. Ah, la couverture est violette, j'ai mangé son nom, je me rappelle plus, vous m'excuserez. Je vous le mettrai sur la vidéo, le nom de cet agenda. Donc si en plus vous complétez avec vos agendas dans lesquels vous allez travailler durant tout le long de l'année et que l'été vous complétez avec les petits cahiers de vacances, eh ben j'ai envie de dire c'est top franchement pour maintenant votre niveau spirituel, pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien et puis pour toujours renouveler vos acquis, parce que ça, c'est un gros défaut qu'on a tous, c'est-à-dire que lorsqu'on sait les choses, eh ben on se dit pourquoi je les réviserais, c'est bon, c'est acquis. Ben non, les connaissances ne sont pas toujours acquises. Effectivement, il y a des choses que l'on sait, que l'on garde, mais ça peut être intéressant que vous soyez débutant ou plus avancé sur votre voie spirituelle, ça peut toujours être intéressant, eh bien, de réviser un petit peu ses acquis ou ce que l'on croyait être acquis, hein, parce qu'au fur et à mesure des années, eh ben, certaines choses peuvent se déformer, s'altérer, donc ça peut être bien quand même d'avoir comme ça des petites anti-sèches sur lesquelles revenir. Donc là voilà, autre chapitre, etc. Vous avez compris le principe. Vraiment, c'est des petits carnets qui sont super sympas et que je peux que vous recommander vivement.
Comme je vous l'ai dit, en plus, le prix est tout petit, hein, 6,95€ pour ce prix-là, vous avez rien, vous avez même pas une bouteille de crème protectrice contre le soleil. Donc vraiment, faites-vous plaisir, les amis, et puis voilà. Comment vous pouvez choisir votre carnet de vacances? Eh ben moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, suivez votre intuition, d'une part. Et puis éventuellement, pour ceux... Alors, si vous êtes débutant, je vais plutôt vous orienter vers les carnets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Imaginons que vous avez commencé l'astrologie. Éventuellement, ça peut être intéressant de prendre le carnet qui est sur le thème de l'astrologie pour un petit peu asseoir vos acquis, asseoir ce que vous avez appris, voyez. Si par exemple vous ne connaissez absolument pas la lithothérapie, je vais pas vous dire de prendre un carnet de lithothérapie, ça a pas vraiment de valeur, voyez ce que je veux dire. Donc prenez en fait les carnets qui vous correspondront par rapport à vous, par rapport à vos connaissances, par rapport à votre avancement sur telle thématique. Et si au contraire, eh bien vous connaissez un petit peu tous les domaines et que vous voulez revoir certaines choses, parce que c'est vrai qu'il y a des... On pratique plus certaines choses que d'autres. Je, par exemple, moi, je suis très oracle. Je pratique beaucoup les oracles, etc., les runes. Et il y a des choses qu'on oublie parce qu'on les pratique pas assez. Par exemple, la numérologie. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas pratiqué la numérologie. Donc, j'avoue que la numérologie, celui-là, va me faire du bien parce que ça va me replonger dedans. Voyez, donc vraiment, pour choisir votre carnet, j'ai envie de vous dire, eh ben, suivez votre intuition, suivez tout simplement ce sur quoi vous êtes en train de travailler à l'heure actuelle, ou au contraire, s'il y a une pratique que vous avez un petit peu délaissée depuis quelques mois ou quelques années, eh ben, ça peut être, pourquoi pas, l'occasion de vous y remettre vraiment gentiment, hein, on y va tranquille avec ces petits carnets, et puis voilà. Voilà donc, mes chers amis, pour cette vidéo review sur les cahiers spirituels été de Alliance Magique. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été vraiment ravi de vous les présenter, de vous les découvrir, et puis j'ai envie de vous dire maintenant, au boulot. Donc comme d'habitude, en bas sous le titre, je vous mettrai tous les liens pour acquérir vos carnets d'été, hein. Il vous suffit tout simplement d'aller sur le site d'Alliance Magique, vous retrouverez tous les cahiers spiritualité tout simplement, et puis voilà. Et comme je vous ai dit, si vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez prendre même tous les carnets, et ça va vous revenir à une cinquantaine d'euros, et franchement, une cinquantaine d'euros, c'est pas non plus excessif. Oui, c'est un petit budget, mais c'est pas non plus excessif quand même pour avoir 8 cahiers de bonne qualité et qui vont vous faire un petit peu travailler et remuer les ménages. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse tous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Gros bisous à tous.